l'autre bord de la ligne de front. Fait que c'est un Afghan, un gars normal, il a décidé de mettre une bombe sur le bord de la route. Fait que il a fait ça pendant la nuit. Puis là, depuis des heures déjà, la lumière a chassé l'obscurité. Je me rends compte à quel point la route est à proximité. Les yeux plissés, j'ai peut-être l'air stressé, mais je réfléchis comme le soleil sur mon RPG. Je suis conscient que si jamais on m'attrape, on me torture, on me photographie à poil à quatre pattes comme si j'étais avec un pare-bord. On m'accuse à tort et à travers d'être issu d'une race à part. Comme si le port de la barbe allait s'étendre comme un virus cancéreux, comme si j'avais pas d'enfant ou pas de tendresse envers eux, comme si je balayais le creux de ma grotte avec les cheveux de ma femme, puis que le soir je me réchauffais sur le bord d'un feu de napalm, comme si j'étais un malade mental, un extrémiste, mais il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. On m'a défiguré, j'étais de l'acide dans le visage, on a rayé mon image pour mieux raser mon village. Mais je l'ai vu d'autres, je suis pas le genre qui panique quand ça tire. J'ai déjà botté le cul de l'Empire britannique, je suis prêt à faire la même chose, je me bats pour la même cause. Depuis toujours, je refuse la paix que l'occupant m'impose. Je suis loin d'être un débutant, j'ai pas peur de perdre du temps. Je suis prêt, j'ai des armes, avec des arguments percutants. Je veux libérer ma terre, c'est pas une question de religion. Éteignez vos télé, j'ai jamais détourné d'avion, puis j'ai lutté contre la culture du pavot. Maintenant si j'en fais pousser, c'est pour vivre, c'est vous qui m'y avez poussé. Je suis pas parfait, ma vision de la vie a fait des victimes, mais l'agression de mon pays m'a rendu légitime.